Hey, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va aider plus d'une personne, j'imagine. Je vais vous donner mes conseils pour débloquer le trophée Au revoir Matari. Ce trophée est l'un des plus chiants, très clairement. Celui sur lequel vous allez sans doute le plus galérer, vous allez mettre le plus de temps à réaliser, à moins que vous suiviez cette vidéo, du coup, où je vais vous donner pas mal de localisation de drones. Notez toutefois que les drones ne spawnent pas à des endroits fixes et que pour le moment, il y a un bug avec ce trophée. Pour vous résumer rapidement le bug, il y a un drone qui m'a posé problème, moi, c'était le numéro 6. Je l'ai chopé 4 fois durant toute la chasse au drone. Et bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'est plus dans votre inventaire, il n'est plus listé dans votre inventaire, dans vos statistiques, mais il compte quand même pour le trophée. Donc si vous faites pareil pour vous, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que vous chopez 3-4 fois le même drone, et quand vous regardez dans les stats, bah, il n'apparaît plus, ou quand vous redémarrez votre jeu, il disparaît. C'est pas grave, il sera quand même comptabilisé dans le nombre total de drones à détruire. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, vérifiez bien en haut à gauche de l'écran les localisations de là où je prends les drones, parce que j'ai pas pu montrer les localisations exactes sur la map à chaque drone. Donc faites attention, les lieux sont marqués en haut à gauche, si vous voulez bien suivre où est-ce que j'ai pu détruire chaque drone. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer directement aux astuces pour débloquer rapidement ce trophée. La première astuce va être bien évidemment d'aller directement acheter une compétence dans votre arbre de compétences projet. Vous irez dans la catégorie rechercher et récupérer. Ensuite, vous allez devoir acheter et vous équiper de la compétence radar à drone espion. Ça vous servira tout simplement au moment où vous allez clean toute la map, quand vous allez devoir réaliser tous les repères, etc. Vous allez avoir un petit radar juste en bas de votre boussole qui vous indiquera où sont les drones. C'est pas très très précis, mais au moins ça vous indique qu'il y a un drone dans les parages. Et si vous êtes plus ou moins éloigné de ce drone, ça peut vous aider à trouver les drones plus facilement. Ensuite, la deuxième astuce à combiner avec la première va être très très importante. C'est sans doute la meilleure astuce que je peux vous donner. Surtout si vous jouez avec un casque, donc j'espère que vous jouez avec un casque. Vous allez entendre un petit bruit que je vais essayer de vous mettre un peu plus fort. Vous allez entendre le bruit du drone avec un son très distinctif. Je vais essayer de vous amplifier le son pour que vous puissiez le reconnaître. Ça va vraiment vous aider. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour trouver des drones facilement. Aussi, n'oubliez pas de désactiver tout ce qui est dans les options, le son de la musique. Ça peut être très très dérangeant par moment, surtout si vous êtes en train de chercher d'écouter les drones. C'est un très très bon conseil aussi que je peux vous donner, désactiver la musique pour vous faciliter la tâche. Ensuite, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de clean toute la map dès le début du jeu, pour pas vous forcer comme moi à jouer 15 heures après avoir fini le jeu et faire tous les drones à la fin du jeu. Vraiment, cleanez toute la map dès que vous pouvez. Même quand vous avez déjà trouvé le drone, essayez de clean la zone que vous êtes en train de faire pour savoir que vous êtes déjà passé par ici et que vous n'aurez plus l'occasion d'y passer. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Pareil sur la vidéo, regardez bien toutes les zones que j'ai débloquées moi sur ma carte pour que vous puissiez vous aussi vous rendre dans ces lieux. Il y a des lieux très bien cachés, très secrets. Donc regardez ma carte, rendez-vous sur les lieux que j'ai pu révéler moi. Et regardez s'il n'y a pas un drone qui a spawn ici. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les astuces que je pouvais vous délivrer sur ce trophée. Dites-moi dans les commentaires si cela vous a été utile. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller d'aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire sur le sujet de Rage 2, dans lesquelles je vous explique et je vous donne mes conseils de comment débloquer les trophées broyés et éclatants. J'espère que vous allez réussir à obtenir ce platine, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez, ciao!
Encore un. Mode veille activé. Et encore un.